Et yop tout le monde, c'est Kakeps, et aujourd'hui on va tuer du titan. Donc aujourd'hui on est sur le serveur omcolorful.world, donc qui est un serveur principalement basé sur des animés comme Sword Art Online, Gunsale, Fairy Tail, Dead or Alive, Angel Beats et Tokyo Ghoul, mais qui sont pas terribles. Et bien évidemment il y a Attack on Titan qui est vraiment le mieux de leur serveur. Donc l'IP est ici, donc omcolorful.world en 1.7. Il n'y a malheureusement pas de version, il tourne pas en 1.8. Du coup c'est parti, donc surtout n'oubliez pas de mettre vos ressources pack de serveur activées, sinon ça va pas trop marcher. Donc on y est, donc d'abord on va faire une présentation d'un peu comment ça se passe sur ce monde. Et puis après on va aller tuer un peu de titan, voilà. Donc là déjà pour commencer juste avant, le skin ne marche pas trop bien bah, parce que malheureusement c'est en 1.7 et j'ai un skin 1.8. Du coup je me retrouve en JK, mais bon, c'est pas grave, on va trop voir. Et vous pouvez déjà voir que j'ai un magnifique musicalement du bataillon d'exploration. Donc ça je vais expliquer comment je fais pour l'avoir plus tard. Du coup tout d'abord il y a un système très important, c'est que la trait d'impersonnalité est vraiment comme dans l'animé. Là ça explique un peu tout, mais moi je vais expliquer rapidement. Du coup il y a le Ken, arme principale. Bon là c'est une épée spéciale, la garnison qui coûte un peu cher et du coup qui est très stylé pour voir dehors des enchantements plutôt cool. Bref, donc en fait ce Ken bah, c'est comme dans l'animé, c'est à dire qu'en fait c'est une épée. Et donc si par exemple je fais clic droit, hop, avec, hop, et je m'envole littéralement. Le système il marche totalement comme ça, c'est vraiment comme dans l'animé. Donc en fait l'épée c'est votre arme principale. Du coup pour vous déplacer avec extrêmement sanité, je vais d'abord expliquer comment on l'utilise. On fait clic droit là, hop. Voilà, donc là j'ai relâché le clic droit, si je remets le clic droit, je remonte en haut où j'ai mis mon câble. Et donc après pour détacher le câble, parce que là vous voyez si je relance, si je peux pas relancer de câble du coup, si je rappuie sur le clic droit, ça me ramène dessus, du coup faut juste que je fasse un petit double espace. Le système de traînement de sanité est là. Donc après pour tuer les titans, on ira faire après, c'est par ici. On ira faire après, donc suffit juste en fait de s'accrocher sur les titans et de tourner autour. Et mais du coup ça paraît totalement fou, mais dans Minecraft c'est une réussi. Du coup il y a également un système d'épée détachée, car effectivement quand on utilise trop son épée sur les titans, bah, au bout d'un moment elle pète. Du coup il y a la lame qui pète, mais pas la base. Et du coup après il suffit de remettre une épée détachée, je vous montrerai ça plus tard. Le petit pistolet j'y viendrai après. On a également un système de gaz évidemment. Donc là si le système vous permet, voilà. Donc en haut vous pouvez voir depuis le début ici, il y a la jauge de gaz. Donc si du coup après il faut faire un slash warp HQ, donc il y a le quartier principal, tous les survivants humains. On se retrouve ici, du coup mettant mes petits gaz tanks là qui sont plutôt vides, vous voyez gaz 0 capacité de 1505, il ne reste plus que dans celui-là, qui sont déjà de plutôt de bonne qualité. On peut les remplir ici juste en faisant un simple clic droit, hop. Et du coup si je reviens sur ma petite lame, vous pouvez voir que ma jauge de gaz est totalement pleine. Donc là c'est à peu près bon pour le système de tridimensionnalité. On va juste expliquer vite fait, bah là vous voyez, ici il y a un shop, donc il y a un système d'économie. On y reviendra plus tard, on va d'abord aller tuer des titans. Il y a un système d'économie où on peut acheter des bases d'épée qui durent plus longtemps. Vous pouvez aussi péter des bases d'épée si vous êtes des gros farmeurs comme moi. Les épées détachées qui sont ont plusieurs qualités. Puis vous pouvez aussi acheter des trucs de gaz. Voilà, il y a aussi des pistolets. Je vais juste aller le faire rapidement, le flare gun. Qui comme dans l'animé, c'est uniquement pour le RP, coûte un peu cher d'ailleurs. Et donc pour le coup, vous pouvez choisir votre couleur ici. Si je fais le droit, bah, donc, là je suis en jaune, hop. On est dans un bâtiment donc ça monte pas très bien. Mais par exemple là, je peux le mettre en rouge en faisant clic droit, j'ai clic gauche pour lancer. C'est plutôt stylé. Et donc maintenant on va retourner au spawn, et donc du coup pour revenir un tout petit peu encore sur le RP, après on va tuer du titan. On est dans le mur Sina, donc le district de Trust s'est fait contaminer depuis longtemps. On entend déjà des bruits hein. Et donc avant ici cette porte était fermée, on peut aussi escalader le mur si on veut hein. Mais bon pour une facilité de gameplay pour la plupart des gens, bah ils ont ouvert la porte, donc du coup c'est un peu moins RP là. Et donc du coup là vous pouvez voir directement des titans, donc c'était juste des géants zombies. Bon je sais pas juste que des géants zombies. Donc du coup on va sortir, du coup on va se poser sur un arbre là. Ok, attention, vous pouvez voir que c'est assez meurtrier. C'est un peu un problème aussi, c'est que quand maintenant ils se calent un peu trop sur la porte. Du coup on va passer une explication de comment on fait pour tuer des titans. Voilà, donc on s'est légèrement écarté, maintenant on va s'attaquer un peu à ces connards. Donc du coup, ça peut être logique, il faut s'accrocher au nuque des titans. Et puis après, une fois qu'on est à peu près bien positionné grâce à la tridimensionnalité, on spamme clic gauche afin de buter. Ah bah tiens, je vais pouvoir directement vu que ma lame s'est pété, je vais pouvoir directement illustrer ce que j'avais dit tout à l'heure. Donc du coup on prend simplement la magnifique arme de la garnison, très cheatée d'ailleurs. Et du coup on fout une petite lame, donc là c'est une detached blade de qualité un peu dégueulasse, donc elle durera pas très longtemps. Mais c'est pas grave, c'est les moins chers, et du coup comme ça hop on la mise et puis on est bon. Donc en maintenant qu'on a fini d'expliquer un peu les armes, on va s'attaquer aussi du titan. Donc là vous pouvez voir déjà qu'il y en a un sur l'arbre depuis tout à l'heure. Donc pourquoi il est sur l'arbre? Parce que en fait c'est un conisant. Les conisants en fait ils peuvent sauter. Ils sont super durs à battre, ils vous rapportent aussi 350 de thunes quand vous les butez, ce qui est assez énorme. Du coup pour les buter en fait il faut d'abord péter leur peau.
Oh, bien joué toi. Il faut d'abord péter leur peau et puis après vous pouvez ensuite les attaquer. Donc faut mettre au moins 6 coups et du coup, en même temps péter votre lame. Du coup après ils sautent un peu comme un manga. Du coup à part ce titan là, il nous en reste 4 autres types. Ouais, 4 autres types. Il y a les abnormales et les aberrants. Donc ils sont deux titans relativement pareils. Sauf que alors je sais plus lesquels c'est. C'est les aberrantes, ils vous rapportent 25$ et les abnormales ils vous rapportent 37,5$. Et ensuite il y a les 12 mètres qui sont un tout petit peu plus dur à tuer parce que je crois qu'il faut mettre deux coups et qui vous rapportent 50$. Et ensuite les conisants, donc on en a déjà parlé. Et ensuite les shifters titans. Donc là les shifters titans qu'on voit quasiment jamais parce qu'en fait simplement c'est des vrais joueurs. Et c'est des vrais joueurs, mais pour avoir un shifter en fait il faut avoir énormément de chance. Car en votant pour le serveur on peut avoir des clés pour tenter d'avoir un titan. Mais c'est très rare et je vote tous les jours pour le serveur et j'ai encore jamais réussi à en avoir. Mais c'est plutôt rare, mais sinon ça vous rapporte rien. Du coup maintenant qu'on a fini de parler un peu des titans, on retournera en tuer un peu tout à l'heure. On va parler un peu des autres systèmes de la partie Attack on Titan du serveur OM Colorful. On va rentrer par là. On va finir par parler un peu du système de la monnaie, j'ai pas trop parlé de tout un peu, là sur Sashore par exemple. Voir qu'il y a plusieurs choses, et les warp crates, donc ça c'est si vous voulez, quand vous avez voté sur le serveur, vous recevez des clés, vous faites sachant après, vous allez ouvrir des crates pour avoir de la monnaie, ou tenter un shift sur titan, warp HQ on a déjà vu, warp market, donc ça c'est pour dépenser votre monnaie, plot ça c'est pour dépenser votre monnaie mais en ayant des construisant des maisons, mais ça coûte 1 million par jour, donc je vous laisse un peu faire le calcul. PVP bah, c'est tout simplement pour se taper dessus. Titan survival c'est où spawn, donc en fait spawn là c'est pour fight des titans, mais fait slash point c'est plus rapide. Ou slash why c'est le côté faction, donc ça on va pas trop expliquer. Juste pendant que je me balade un peu dans la ville, je vais expliquer encore un peu le système de la monnaie. À quoi il peut servir, il sert surtout en fait sur les pour rank up. Donc en fait si on fait slash rank up, hop list. Sur la liste, on peut voir qu'il y a plusieurs rangs, et donc en fait si vous faites slash rank up avec une monnaie nécessaire, sachant que vous commencez à survivant, comme il le dit, slash rank up, voilà, moi je suis déjà en max, je suis général, donc vous pouvez voir que j'ai du coup pas mal fermé. Et donc vous faites survivant, de survivant recrue à private c'est du stuff cuir, sergent, officer c'est de l'or, lieutenant, capitaine c'est du fer, et major général c'est du diam, c'est donc vous pouvez voir que si se fait pas, et après il vous suffit de faire slash kit avec votre rang. Moi du coup j'ai tous les kits, donc je préfère tous les slash kits, par exemple officer, et hop j'ai du stuff or qui est d'ailleurs pas très bien texturé, je pas le temps de le montrer, c'est pas grave. Et du coup on peut voir par exemple mon dernier kit, slash kit général, on peut voir que j'ai du magnifique stuff en diams protection 10, breaking distance 3, donc ce qui est très pratique. Maintenant par contre j'ai droppé un truc du survivor corps là. On va éviter. Donc vous pouvez voir que c'est très important la monnaie. Du coup vous pouvez aussi aller dépenser en slash warp market. On va y aller vite fait pour vous montrer. Puis on repassera au tuage de titan. Donc là dans le market, donc en fait c'est un endroit où on peut acheter voilà par exemple ce petit endroit là pour 300 par mois. Et bien après on peut mettre des petits objets ici là à vendre. Par exemple là c'est en rapport avec le côté faction, du mec vend de l'opsy, du diamant. Et puis tiens pour vous, allez, j'achète un diamant. Ah merde, out of stock. Putain, il y a tout qu'à auto stock. Voilà, j'ai acheté 10 glaces pour 200$. Vous voyez que ça marche très bien. Et aussi, juste pour revenir rapidement sur le côté faction, tout ça, je leur expliquerai dans mes prochaines vidéos sur ma chaîne. Car bah là, je vais pas. Pour l'instant, c'était juste pour présenter rapidement le serveur et surtout pour vous donner envie d'y aller. Parce que il faut y aller. Hein, ce serveur est absolument génial. Voilà. Donc j'ai fini avec ça. Maintenant, on va retourner tuer du titan. Donc avant de faire un petit mix de tuage du titan, on peut admirer par exemple ce magnifique mec en stuff cuir qui va le niquer. Est-ce que tu vas le niquer? Ou tu vas te faire piétiner? Il y a un petit système important à savoir, c'est qu'on peut se faire choper par les titans au lieu de vous faire piétiner. Parce que par exemple, si je vais de le tuer. Je montre exemple, voilà. Exemple, si on va trop près des titans, ils peuvent vous piétiner tout comme ça. Mais aussi si vous êtes en très grande ancienneté en train de lui tourner autour, et ben les titans peuvent vous choper. Et du coup vous avez 8 secondes quand vous faites choper pour que quelqu'un d'autre vienne tuer le titan. Donc là d'abord une petite séquence où je me fais choper puis je me fais sauver. Et puis ensuite une séquence où quelqu'un se fait choper puis je le sauve. Vous pouvez voir que ce système est plutôt stylé. Et puis avant de partir tuer plein de titans, je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis à mettre un petit pouce vert. Et puis tout de suite maintenant, c'est parti pour le mix de tuage du titan. Est-ce que celui-là, je pourrais le choper? Regardez celui qui s'est chopé. On l'a fait de l'orphelin. Et voilà, on l'a sauvé. Tout de suite, c'est parti pour tuer plein de titans.